manqué ça. Metallic Madness, Sonic CD. Mais vraiment, il y en a des niveaux. C'est un truc de fou. Moi qui pensais qu'elle allait pas en avoir autant que ça, mais finalement, on est gâté, hein. On doit être facilement rendu à 12. Facilement, hein. Sonic CD, comme je vous dis, ça a été le jeu que j'ai pas trop touché, étant plus jeune. Je le trouvais trop spécial. Je le trouvais bizarre. Fait que j'ai pas trop de souvenirs de Sonic CD, mais... Ah merde. Hop. Oh, oh c'est nice ça. Ça c'est cool. Sérieusement. Waouh. Pour faire les niveaux de l'autre côté, je trouve ça cool. Bon. Je garde pas des grands souvenirs de Sonic CD, mais pour ça, je trouve ça cool quand même. Merde, non. Bon, là, on a pas le choix d'aller de ce côté-là. Hop, et on en revient à la réalité. À la réalité. Ouais, mais c'est plagié de Kirby. C'était trop facile. Désolé. Parce que Kirby a créé la vie, bien entendu. Hein. Non. Le nombre de fois que je suis mort à cause de la hitbox qui m'écrase, ça m'insupporte. Vous pouvez pas savoir comment. Ça me frustre ce genre de truc. Ça devrait pas arriver de mourir comme un... Comme un con. Surtout parce que tu t'en vas trop vite dans un endroit, puis après tu fais genre « Ah ouais !» Peut-être t'as pas le temps de revenir. Non, c'est pas grave, je vais pas rager autant que ça, je vais juste faire que... J'aime pas. C'est ici. Hop. Hop. Le petit saut, le petit saut. Ouais, on traverse de l'autre côté dans la fraction Space Jam. Non, ça n'a aucun rapport avec Space Jam, mais hop. Celui-là, peut-être. Je sais pas si c'était le bon. On va descendre ici. Non. On est revenu à la réalité. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps la réalité. Ça n'a aucun sens de dire que c'est la réalité. Checkpoint. Oh. Oh, le double jump qui m'a sauvé la vie. Hop, on descend. Ok, on descend pas finalement. Moi je vais descendre, le jeu il fait l'autre. Nope, non, t'as pas le droit. On me donne pas la permission. Hop. On descend. Toi tu me donnes ça. Je suis dans tous les droits de prendre ce qui est à moi. Hein. Genre une vie. Nice. Les vies, on en a tellement besoin à date dans le jeu. Je me souviens dans les autres Sonic, d'habitude t'avais genre je sais pas trop combien de vies. Là ça va, ça va. Merde. Je pensais qu'on aurait pu défoncer la porte, mais finalement non. Hop. Ok. Et le checkpoint. Là c'est le boss. Ça, ça t'est Eggman. Eggman, t'es où? Ah, le boss de... Le boss de Sonic 1. Et oui, c'est le boss de Sonic 1. Je me souviens, ce boss était hyper chiant. Surtout, il me semble que... Merde. T'avais pas de rings dans Sonic 1. Je peux peut-être me tromper littéralement, mais il me semble que c'était ça. En gros, faut tout le temps que t'ailles à l'espace, un petit peu plus espacé. Faut pas juste sauter et passer comme si de rien n'était. Gauche. Nice. Trop fort, Mad Bob. Trop fort. Au début, je me demandais, je pensais que c'était fini, mais finalement, non. Hop. Ok. Il va être là. Nice. Je pense à un intervalle de 3 ou 4 coups. Je suis pas trop sûr, mais il me semble que c'est ça. Parfait. La seule chose que je suis triste, c'est qu'il y avait quand même une suite logique dans certains des niveaux. Ah. Oh, c'est la partie plus rythmée. Pam 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 pam.
La musique me dit quelque chose, si je me souviens bien. Non, c'est pas qu'est-ce que je pensais. Je suis trompé avec une autre musique. Littéralement beaucoup. Ah! Oh! On est Chibi Yoshi! Chibi Yoshi, qu'est-ce que je raconte? Chibi Sonic! On est un petit Sonic! Oh, il est trop mignon! En plus, quand il court, genre super rapidement. Oh, avec ses petits yeux! Oh! C'est trop mignon! Je me demande si c'est avec Tails seulement ou avec Sonic seulement, c'est. Bah, avec Knuckles seulement, c'est différent. C'est tellement mignon! Tu vois, on va redevenir grand un jour. Est-ce qu'on peut rentrer? Non, on peut pas. Je sais pas si on va regrandir un jour ou on va rester petit tout le restant de notre vie. Chibi Sonic. Pour la vie. Merde. Juste ça pour la chose qui arrive. Ah non, on aurait regrandi là. Hop. Redevenu grand pour toujours et pour encore longtemps. Ouais, ça mène où? Ok, faut passer exactement ici. Je dis faut passer exactement ici pour la chose qui fait, c'est que je la rate. Ah, petit Sonic. Hop. Merde. Merde. Bon, je suis tombé jusqu'en bas. Ok, on va descendre. Ça va sûrement nous mener quelque part de bien. On va bientôt peut-être avoir une autre vie, hein. Ah. Ah ok, je viens de voir. Je comprenais pas au début qu'est-ce qu'il fallait faire. Ah non, non, non. Ici. Parfait. Je peux y aller. Parfait. Il manque quelques rings, s'il vous plaît. Non! Bon, ah, j'ai tout perdu. Qui pensait bientôt arriver pour avoir une vie. Je passais en plus. Ah bon, il y a une vie ici. Hop. Moi qui croyais que j'étais pas si. Ah, ça c'est bon. Ça, je peux pas. Je pensais pouvoir traverser. Ok, c'est cool quand même. Petit Sonic est de retour. Je suis vraiment concentré en ce moment pour essayer de comprendre ce que je dois faire dans le niveau. Ou du moins, ce que je dois faire dans la vie. Oh, reste Petit Sonic. Qu'est-ce qu'on fait étant Petit Sonic? On se bat contre des petits Eggman. Oh, c'est beaucoup trop drôle. C'est trop drôle, sérieusement. Là, ça va être... Qu'est-ce qui va être ici? C'est les différents boss de Sonic. Sonic, attendez, Sonic. Sonic 2. Les différents boss des Sonic. Vraiment, c'est beaucoup trop drôle. Non! Les Mi, c'est des petites merdes. Les Mi, c'est des petites merdes, qu'est-ce que je raconte? Ah. Je fais tomber des trucs, il est pas content. Ah, je fais tomber Eggman. Et je redeviens grand. Parfait. Emi, c'est des petites merdes. Ça va rester la quote par excellence, hein. Emi, c'est des petites merdes. Elles te font des câlins et explosent.